Merci, monsieur Molac. La parole est à madame Janine Dubié pour le groupe RDP. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voici donc arrivés dans la dernière ligne droite de l'examen de ce projet de loi si controversé relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Députée du Parti radical de gauche, je souhaite redire ici que les radicaux de gauche ne sont pas des opposants systématiques de la réforme, dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche de progrès, qu'elle respecte le caractère décentralisé de la France et qu'elle est préparée de façon concertée, dans la transparence et en toute objectivité. À notre grand regret, force est de constater que le texte qui nous est proposé aujourd'hui ne prend toujours pas en considération les inquiétudes formulées et relayées à maintes reprises par notre Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Nous vous l'avons dit et répété, cette réforme a été conduite dans la hâte, sans étude d'impact ni concertation préalable des principaux intéressés, que sont les acteurs politiques et économiques des territoires. Vous aviez également évoqué de prétendues économies, nous n'en entendons plus parler aujourd'hui. Je vous le redis, Monsieur le Ministre, tout cela a été fait trop vite. La redéfinition du périmètre des régions aurait pu être une réforme pertinente, mais imposée comme règle. D'une part, la fusion par bloc de régions déjà existantes, et d'autre part, ne pas laisser aux départements la possibilité de choisir a priori leur appartenance à telle ou telle nouvelle région, vous ont certes permis d'œuvrer rapidement, mais vous l'avez fait au détriment des réalités territoriales, des coopérations interdépartementales déjà engagées et surtout de la démocratie locale. Votre gouvernement, Monsieur le Ministre, a souhaité doter les régions françaises d'une taille critique qui leur permette d'exercer les compétences stratégiques à la bonne échelle et de rivaliser avec les régions européennes. Pourquoi pas ? Et même nous pouvons partager cet objectif. Mais alors, il aurait d'abord fallu s'inquiéter des compétences avant d'imaginer de redéfinir le périmètre, comme cela d'ailleurs a déjà été dit. D'ailleurs, je rappellerai que lors de la première lecture, j'avais suggéré au gouvernement d'aller plus loin dans son raisonnement en proposant un amendement fusionnant les trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, au sein d'une grande région Sud-Pyrénées. Cette région Sud-Pyrénées aurait alors regroupé l'ensemble du massif pyrénéen, de l'Atlantique à la Méditerranée, en une unité géographique et aurait offert un interlocuteur unique dans le cadre de nos relations frontalières avec notre voisin espagnol. Ce regroupement avait aussi un sens culturel, celui du cœur de l'Occitanie. L'axe formé par les trois agglomérations régionales Bordeaux, Toulouse et Montpellier aurait ainsi favorisé un aménagement de territoire équilibré, donnant la possibilité d'exprimer leur ambition sans se concurrencer. J'avais également co-signé un amendement porté par notre collègue Martine Linière-Cassou ainsi que par des députés des Pyrénées-Atlantiques et des Landes qui proposaient de fusionner la région Midi-Pyrénées avec l'Aquitaine plutôt qu'avec le Languedoc-Roussillon. Ce découpage nous paraissait plus pertinent car ces deux régions partagent une identité commune, des infrastructures et des projets industriels d'avenir qu'il serait dommage d'entraver. Ces deux régions bénéficient également de filières industrielles reconnues comme celle de l'espace et de l'aéronautique, avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley, ainsi et qui s'appuie sur des pôles universitaires et de recherche réputés. Une fusion entre ces deux régions aurait ainsi contribué à un développement plus équilibré et traduit les coopérations et les liens naturels existants. À notre grand regret, ces deux propositions n'ont pas su convaincre et ont été rejetées. Nous en prenons donc acte. Alors, faute de pouvoir obtenir satisfaction sur ces derniers points, je me rangerai derrière nos collègues sénateurs qui ont rejeté à l'unanimité en commission spéciale la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. J'ai ainsi déposé un amendement visant à laisser les régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon en l'état actuel. Cette solution, qui serait sans doute, si je peux m'exprimer ainsi, la moins mauvaise, aurait au moins l'avantage de ne pas déséquilibrer l'ensemble de la région sud-ouest en remettant en cause les équilibres économiques et culturels trouvés, notamment pour les 4 départements de Midi-Pyrénées qui sont tournés vers l'Aquitaine. Par ailleurs, la région Midi-Pyrénées, plus grande région de France métropolitaine grâce à ses 45 000 km² de superficie, comparable à celle du Danemark et supérieure à celle de la Belgique, mais aussi avec ses presque 3 millions d'habitants, nous paraît au final bénéficier d'une taille suffisamment importante pour faire face à la concurrence européenne. Alors pour conclure, Monsieur le Ministre, je veux vous redire que cette réforme n'a pas été suffisamment réfléchie et concertée. Sur un sujet aussi important que celui-ci, l'organisation territoriale de notre République, il était indispensable de rechercher un réel consensus. Or, je ne crois pas me tromper en disant que ce consensus n'a pas été trouvé. En dépit des remarques formulées par les acteurs de nos territoires, vous continuez à imposer d'en haut une carte pas du tout appropriée par les territoires qui créera à terme de formidables résistances préjudiciables au fonctionnement de nos institutions. Je vous remercie.